Bonjour. Ah, je manque encore un peu de pression peut-être. Je vous présente cette courte vidéo de mon paddle Tuff Tuff pour vous montrer de manière simple, oh là, j'ai des bruits bizarres que je vais aller analyser de plus près, je pense, sa chaîne, comment j'ai réglé le problème de la flottaison. Bah, tout simplement en rajoutant sous le bateau une petite pièce rapportée de styrène. Le styrène qui s'achète par plaque de différentes épaisseurs et qui sert notamment pour la fabrication des avions. C'est peu cher et ça permet de réparer facilement. Et dans mon cas, bah écoutez, la petite pièce que j'ai coupée suffit largement à la flottaison de mon Tuff Tuff. Je vais quand même aller voir pourquoi ce bruit est bizarre. Je pense que c'est la chaîne qui saute. Ne bougez pas, vous le savez, je vais déshabiller le bébé. Hop, hop, hop. Ouais, c'est la chaîne qui sautille. Je vais vite, là, je suis quasiment à fond, vous voyez. Ce qui n'était pas forcément une allure raisonnable. Donc on va ralentir. Voilà. Et si je vais un petit peu moins vite, hein, je n'ai plus le problème de la chaîne qui saute. C'est peut-être un problème de tension, je ne sais pas. Il faudrait que je vois si je dois rechanger le pignon. Bon, enfin, en tout cas, vous voyez, quand je vais doucement, j'ai ma reverse. Et je peux aller vraiment... Hop, hop, marche avant tout. Je l'ai déjà fait remarquer. Boum. Alors, j'ai beau avoir mis devant un peu de mousse sur les tampons, pas de chance. La baignoire étant inclinée, c'est la partie basse qui touche quand même. Bon, c'est pas très grave. Je suis en même temps en train de mesurer l'autonomie parce que cette petite chaudière microcosme ne contient pas beaucoup et en plus s'écroule assez vite puisque les 16 cm3, comme je vous l'ai dit, consomment énormément. Donc là, j'ai a priori 8 minutes d'autonomie et j'ai consommé la moitié de la chaudière. La moitié de l'eau contenue dans la chaudière. Donc je vais tourner un petit peu, je pense que je dois avoir un petit quart d'heure. Et si je veux, j'imagine un peu de sifflet. Alors, est-ce qu'il veut bien refaire le zoom? Non, il ne veut pas. Voilà, donc je suis bientôt à 1,5 bar, ce qui est quand même un peu court, pour le sifflet. C'est largement suffisant pour la machine. Je l'ai déjà décrite de nombreuses fois. Et pour ceux qui regardent le plan, sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre, comme moi, une vanne de registre en même temps que l'inverseur, puisque l'inverseur fait aussi office de barre de registre sur ce type de machine. Mais moi, j'avais envie d'avoir un tout ou rien au niveau de la reverse pour avoir une progressivité plus fine. Oups. Au niveau, regardez, comme ça on peut le faire tourner tout doucement. Pour avoir une progressivité plus fine au niveau de l'accélération. Allez, hop. Hop. Voilà, bah écoutez, voilà les petits travaux d'hiver, du week-end. Quand je ne change pas les membranes de mes vieux régulateurs, puisque grâce à Fabrice, j'ai du nitrile en 0,5 qui me permet de remplacer toutes mes vieilles membranes qui était à l'époque en caoutchouc. Voilà, bah écoutez, c'était le plaisir de faire une petite vidéo vapeur et vous dire bonne année. Happy New Year, my friends. Bonne année, mes amis.